Bonjour. Mireille, vous m'écoutez? Qu'est-ce que vous vous souvenez du jour de l'accident? J'étais en voiture. Et où allez-vous comme ça? Je m'en allais chez moi. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Il y a un garçon qui est sorti de nulle part, puis il s'est lancé devant ma voiture. Je me souviens plus de rien, je sais pas. Attendez, il a sauté devant votre voiture? Vous trouvez pas ça bizarre, vous, qu'il ait sauté devant votre voiture? Donc, ça aurait été voulu. C'était le chum de ma fille. Pardon? Je les connaissais. C'était le chum de ma fille. Je me souviens plus de rien. Je sais plus là, qu'est-ce qui s'est passé après. Je sais rien. Donc, tu dis avoir tout vu, c'est ça? Ça dit ici que t'es l'ami de la victime. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que vous faisiez là? La journée a commencé bien normalement. J'étais chez mon ami, puis on jouait bien normalement. Mais il reçoit un appel. Ça avait l'air bien important, fait qu'on est parti en vitesse. Est-ce que tu sais de qui était l'appel? Non, mais je crois que c'était de sa blonde. Puis est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle lui a dit? Je sais pas, mais ça va l'air bien important. Fait que on est parti, même pas rendu à moitié, qu'il y a une maudite folle qui est rentrée dedans. Puis qu'est-ce que la conductrice a fait après l'accident? Elle a rien fait. Et elle a même pas bougé de petit doigt. Elle est juste sortie de l'auto, puis elle a rien fait d'autre. Peux-tu me parler de la relation que tu as avec ta mère? Mais ces derniers temps, c'était plutôt tendu. La relation avec ma mère a vraiment changé depuis que j'ai commencé à sortir avec Fred. Mais ce matin-là, ça allait vraiment dégénérer. Puis c'est à ce moment-là que tu as appelé ton chum, Fred? Non, non, c'était un peu plus tard. Puis il est jamais arrivé, c'est ça? Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec toi à ce moment-là? Oui, une amie d'école, on faisait un travail ensemble chez nous. Tu penses qu'ils vont gagner? Je sais pas. Les États-Unis sont même trop forts. Ah ouais? J'aurais pensé le contraire. Hop! Je pense que c'est Mireille. Allez, viens. Ah, merci. Allô, Mireille! Ah, salut, Karine! Ça va bien? Oui, ça va ça bien, toi? Oui. En forme? Oui. Je te présente Elisha, mon amie. Bonsoir. Bonsoir. C'est la nouvelle blonde de mon père. Bonne soirée. Bye, bonne soirée, les filles. Wow, t'es aussi gentille avec elle. Elle remplacera jamais maman. Mon but, c'est pas qu'elle remplace maman. Je veux juste être heureuse que j'ai le droit. Puis en plus, si t'arrêtais tout le temps à la prendre en photo, puis fixer juste sur ses défauts, tu l'apprécierais bien plus. Ouais, j'avoue que les photos, ça sent un peu... Ouais. C'est un peu bizarre. On a trouvé autre chose. T'as bien raison.
porte. Et c'est tout? Ouais, c'est tout. Ben, c'est sûr que quand j'ai vu Mireille, ça m'a fait un choc, là. Et tellement aimable, cette maman-là. Oui, allô? Oui, c'est moi-même. C'est bon, on l'a? Ouais, t'es prête? Let's go, on le fait. J'ai eu une grosse semaine. Ouais, hein? Ouais. Fait que je suis pas mal fatiguée. Alors, même si ça, là, je vais y aller, puis... Ah ouais? Non. Ah. Mais c'est pas grave, Comme tu veux, hein? Mais mardi, on va se voir mardi? Oui. Merci. J'ai hâte de voir ma belle. Ah, ben merci. Ciao. Bye. Bye. Tu veux-tu que je te fasse entendre l'accident, tant qu'à faire? Parce que... je l'ai, hein? C'est pas ça que je voulais dire. J'étais vraiment fâchée.
Puis à part de ça, c'est pas de ma faute si c'est pitché devant mon auto. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose, Mireille. Ton histoire, elle fait pas de sens. Et puis... C'est quoi ta fille, elle t'a dit quand elle t'a appelé? D'hier soir. Je peux pas en parler. C'est vrai que c'est pas facile de te voir grandir comme ça, mais sans l'aide de ton père. M'aide pas, papa, avec ça. C'est vrai, j'aurais pas dû insulter ton petit copain hier. J'en vais faire l'épicerie. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Un ami d'école vient, on doit faire un travail. Bon, d'accord. Mais soyez sage. Hey, salut, Dan. Salut, François. Ça va? Bien, toi? Ouais. Bon. Ça prend un peu de jouer Xbox. Ah ouais, c'est bon. Tu veux jouer à Call of Duty? Ouais, venu. Ouais. Ça va? Et toi? Ouais. Wow, elle est vraiment belle ta maison. Ah, merci. Attends, c'est-tu ta mère sur cette photo? Ouais. Puis tes parents sont encore ensemble? Ouais. Ah, ok. Maman, elle veut savoir. Non, ben, je veux pas créer de problème. Quel problème? Ben, hier, j'ai vu ta mère chez une amie. Pis quoi? Ben, paraît qu'elle sort avec son père. Quoi? Non, c'est impossible. Oui. Tiens, qu'est-ce que Gab, faut que je réponde? Salut Gab, ça va? Fred, je sais pas quoi faire, maman me trompe mon père. Peux-tu croire, c'est dégueulasse. Oh, où là? Chez moi, pourquoi? J'arrive, je sais pas, je t'aime. Je t'aime aussi. T'aimes une blague, on s'en chie avant tout de suite. Non, ça va vraiment longtemps, c'est des choses. Arrête, là, je m'en viens à la maison, là. On va s'en reparler tantôt, OK? Maman?